Fait que deux tiers du traitement, c'est de l'éducation et de l'hygiène. Le dernier tiers, c'est enlever le tartre. Ça, c'est facile. Tout le monde est capable de faire ça. Vas-y. Fait que l'éducation et l'hygiène, c'est hyper important. Après, il faut que tu aies quelque chose à dire. Tu sais, l'hygiène, tu vas voir chez nous, c'est protocolaire. Il faut que tu fasses 4 coups, 96 coups. Le fil, il faut que ça soit passé comme ça. Ça, c'est obligé que ça soit comme ça. Puis l'éducation au patient, c'est à tous les mois, tac, 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 tac. Il faut que le patient sache où il attrape ses microbes. Si c'est son épouse, ben, il faut qu'il amène son épouse. Sans ça, ça ne fait pas de sens. Tu vois? C'est éduquer le patient et son hygiène, ça, c'est 60% du traitement. Il n'y a même pas de négociation. Le patient, il va au lavabo, il prend sa brosse, je prends la mienne, il prend la sienne, on a toutes les deux ensemble, on fait basse modifiée, on va le vérifier, on fait ça mercredi matin. C'est comme ça, et c'est pas autrement, et tu fais tant de coups, et c'est ça, et tu le fais devant moi, et tu vas le faire à tous les rendez-vous pour toute ta vie durant. Parce que mes patients, quand je les revois après 5 ans, après 10 ans, après 15 ans, ils vont au lavabo, puis ils font leur truc, 20 minutes, comme ils font à la maison, pour la vie. Le patient a 80 ans, là, et il dit « Ah, d'accord, je vais au lavabo, je vais au lavabo », puis il fait « Parfait, au lavabo devant moi ». Ça, c'est un truc obligé. Quelqu'un qui fait ça, s'il ne fait pas chez lui, ça paraît tout de suite, tu le vois, il y a un problème. Okay? Fait que c'est obligé. Je regarde à l'œil nu. Je déplace la manivelle droite-gauche, S-Ouest, bon, les deux. Je me déplace jusqu'à ce que je vois la tache, la plaque, tu vois? À l'œil nu, je vois une petite tache là, tu vois? Je la mets au centre. Et là, je regarde à quoi ça correspond. Okay. En général, on n'est pas habitué de parler de guérison. Alors là, il faut laisser aller votre imagination et comprendre mon patient, j'aimerais qu'il soit parfait, j'aimerais qu'il soit guéri. Alors, un patient,
Si vous rêvez qu'il soit complètement guéri, c'est quoi le contexte clinique que vous trouveriez? Alors, c'est relativement facile. Un patient qui va bien, ou un patient guéri, ou un patient en santé, la première chose, c'est quoi? C'est qu'on va, avec notre sonde parodontale, on mesure les poches parodontales, puis qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve des poches de 1, 2, 3 mm. Okay? Ça, c'est quelqu'un de parfait. Eh bien, le but à obtenir en guérissant la maladie parodontale, c'est effectivement ça. Aucune poche de plus de 3 mm. Alors, si vous faites vos mesures avec votre patient, une fois que vous l'avez traité, et là, vous avez 1 mm, est-ce que vous êtes content? Oui. Si c'est ça, vous êtes heureux, et puis le patient aussi. Alors, première chose, pas de poche de plus de 3 mm. Ça, c'est parfait. Deuxième chose qu'on veut, en faisant votre sondage, ça arrive en même temps avec le sondage, c'est aucun saignement. Alors, un patient qui est guéri, tout simplement, qu'est-ce qui va se passer? Sondage, pas de saignement. Alors, un patient qui n'a aucun saignement, qui n'a aucune poche de 3 mm, vous entendrez comme moi, on s'accorde pour dire, probable que ce patient-là va bien ou qu'il est guéri. Voilà, alors ça, c'est le but. Maintenant, si on veut être un petit peu plus précis avec la guérison parodontale, en plus de ne pas avoir de poche au-delà de 3 mm, en plus de ne pas avoir de saignement au sondage, on regarde au microscope et puis qu'est-ce qu'on retrouve? Une flore normale, une flore commensale de santé au microscope à contraste de face. Alors, c'est quoi une flore commensale? Chez 30 ans, 33 ans d'êtres humains que j'ai regardé en santé, c'est toujours la même flore commensale qui est présente. Et c'est quoi une flore commensale? Ben, c'est une flore non mobile, déjà, avec des petits bactéries qui rappellent des coccis en forme de coque, tout petit, un micron, et des filaments immobiles. Alors, des coccis et des filaments immobiles, et l'association, on verra un peu plus tard, de filaments et de coccis qui s'agrègent ensemble, ça, c'est une flore normale. Alors, des coccis, des filaments, on dit chez nous facilement avec le patient des points et des traits. Alors, un patient qui a des points et des traits, pas de bactéries motiles, pas de globules blancs, pas de parasites, rien d'autre, autrement, des cellules épithéliales qui sont gages de la santé du patient. Alors, ça, c'est une flore normale. Alors, votre patient, vous avez pas de poche de 3 mm et plus, pas de saignement au sondage, une flore normale, coccyx, filaments, cellules épithéliales, tout ce qui nous reste, c'est d'avoir un patient qui est autonome sur son hygiène. Alors ça, le but, bien sûr, de guérir le patient, c'est de faire qu'il ne réattrape plus sa maladie. Alors, un patient guéri, oui, parce qu'on a été très demandeur sur son hygiène, mais en fait, on a fait plutôt une mimique. Alors, on l'a entraîné à copier une hygiène de santé, et ça, c'est la soie dentaire, le brossage basse modifié. Alors, le patient, il doit être autonome sur l'hygiène. Alors, on verra plus tard les techniques pour rendre votre patient autonome sur l'hygiène. Mais reconnaissez avec moi, pas de poche parodontale, pas de saignement, une flore normale. Un patient autonome sur son hygiène, c'est un patient qui brosse comme vous et moi, qui passe sa soie dentaire comme vous et moi, et dans ce temps-là, le patient est, si vous voulez, obligé d'être en état de guérison. Alors, c'est ça.